Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. Nous allons faire ce petit bonhomme qui sera la base pour plusieurs projets. Donc aujourd'hui il est en rouge, mais quand je vous dirai, écoutez, il faut vous référer au petit bonhomme, on va dire Noël, voilà par exemple. Donc je mettrai que ce petit bonhomme s'appelle Noël. Il faudra voir ce tuto pour pouvoir faire ce petit bonhomme. Bonhomme, bonne femme, il aura plusieurs attributions. Petit, pas si petit quand même, parce qu'il fait quand même 17 cm. Alors, pour faire ce petit bonhomme, il va vous falloir de la laine. Pour moi, c'est de la Pengo First en 3,5. Donc, en rouge, vous pourrez choisir une autre couleur si cela vous convient. De la couleur chair, bien évidemment. Des yeux sécurisés en 8 mm. Et bien évidemment du rembourrage, et ici un petit bout de carton qu'on coupera en rond pour solidifier le socle. Et bien c'est parti, nous allons commencer par un nœud magique. Dans ce nœud magique, nous allons faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur le fil, on vient faire une maille coulée pour fermer le premier rang. Une maille en l'air, et là nous entamons le second rang. Pour ce second rang, nous allons faire 2 mailles serrées dans chaque maille. À la fin du rang, nous aurons donc 12 mailles. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. À présent, on ferme le rang avec une maille coulée, une maille en l'air, et nous entamons le troisième rang. Pour ce troisième rang, nous allons faire une maille serrée, une augmentation. Nous aurons à la fin du rang 18 mailles. Donc, une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Et ce, jusqu'à la fin du rang. Nous finissons à présent le troisième rang. Nous avons 18 mailles, on ferme avec une maille coulée, une maille en l'air et nous entamons le quatrième rang qui sera composé de 2 mailles serrées, 1 et 2 et ici une augmentation. 2 mailles serrées, 1 et 2 et ici une augmentation. On continue comme ça jusqu'à la fin du rang. À présent, nous allons faire notre maille coulée. Une maille en l'air. Nous venons de finir le quatrième rang avec 24 mailles. On entame le cinquième rang avec 1, 2, 3 mailles serrées. Une augmentation. 1, 2, 3 mailles serrées. Une augmentation. Et comme ceci jusqu'à la fin du rang. Voilà, à présent, nous allons finir le cinquième rang avec une maille coulée. Maintenant, on va entamer le sixième rang. Donc,
pour le sixième rang, on va faire donc une maille en l'air, bien évidemment, et là on fait 1, 2, 3, 4 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3, 4 mailles serrées, une augmentation. Et comme ça, jusqu'à la fin du rang. Voilà, nous avons donc fini le sixième rang par une maille coulée, une maille en l'air. Et maintenant, on va faire, nous avons donc, 36 mailles. Et donc, les rangs 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est-à-dire durant 6 rangs, on va faire une maille dans une maille. Pas d'augmentation, pas de diminution. On se retrouve au 13e rang. À de suite. Et bien voilà, là on a fini, on a fini notre 12e rang. On va entamer notre 13e rang qui sera donc un rang de diminution. Donc nous allons faire 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, une diminution. 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et une diminution. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. À la fin du rang, on fait donc une maille coulée, une maille en l'air. Et maintenant, nous allons faire le rang 14 avec 3 mailles serrées, une diminution. Oups, 1, 2, 3 mailles serrées, une diminution. 1, 2, 3 mailles serrées, une diminution. Et comme ça, jusqu'à la fin du rang. Arrivé à la fin du rang, on fait notre maille coulée, une maille en l'air. Et maintenant nous allons faire 2 mailles serrées. Nous sommes sur le rang 15, nous avons donc 24 mailles. Nous allons faire 2 mailles serrées, une diminution, pour arriver à 18 mailles. Donc 1, 2, une diminution, 1, 2 et une diminution. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc après avoir fait la maille coulée de fin de rang, il est temps maintenant de premièrement rembourrer un petit peu, mettre les yeux, finir de rembourrer pour pouvoir finir la tête. Allez, c'est parti, on va commencer par rembourrer. Alors pour les yeux, le 8 mm est très approprié, hein. Donc vu que pour moi la tête va être dans ce sens, je vais compter à partir d'ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre le 8e et le 9e, donc je pointe là, je regarde bien que la, pas la couture, mais que la, que ce soit bien derrière, et à partir de là, je peux mettre mes yeux. Donc un ici. Voilà, nos petits yeux sont mis à présent.
Donc ici, on remet un petit peu de rembourrage. Et c'est reparti. Alors là, on dévie vraiment. Donc on va revenir un petit peu. Comme je vous avais montré sur la poupée Charlotte, simplement pour revenir, il vous suffit de faire quoi que va y avoir les cheveux, vous me direz. Donc ça sert pas à grand chose. Mais enfin, quand vous voyez que ça dévie un petit peu de trop, il vous suffit de faire de la maille coulée. Bien évidemment pas ici. Voilà, de la maille coulée pour vous recentrer un petit peu. Et vu qu'elle est, elle va être absorbée par le travail, cela ne se verra même pas. D'accord? Allez, maintenant on passe au rang numéro 16 qui est fait de une maille serrée, une diminution. Donc une maille en l'air bien évidemment, une maille serrée, une diminution. Hop. Une maille serrée, une diminution. Hop. Une maille serrée. Une diminution et comme ça, et bien écoutez, jusqu'à la fin du rang. À de suite. Nous voici donc à la fin de notre rang numéro 16. On termine par une maille coulée, une maille en l'air et là maintenant nous allons faire 6 diminutions. Nous sommes au rang 17. Hein. Donc, heureusement qu'il y a les cheveux parce que c'est pas ce qu'il y a de plus joli. 1, 2, 2. Et 2, 3. Et 4. Et de 5 et de 6 et la maille coulée. Voilà. Donc ici, comme ça va être rempli de cheveux, je vais pas me prendre la tête à faire une finition à l'aiguille. Ça n'en vaut pas la peine, hein. Allez. Donc voilà, nous allons entamer le corps de notre petite poupée. Donc pour cela, on fait bien évidemment un nœud magique avec 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On vient fermer par une maille coulée, une maille en l'air et là nous allons faire deux mailles serrées dans chaque maille, ce qui nous fera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ici, nous faisons donc une maille coulée, une maille en l'air et maintenant nous allons entamer le troisième rang avec une maille serrée, une augmentation. Donc, une maille serrée. Pardon. Non, non, c'est bon. Je crois que j'ai pas fait ma maille en l'air. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Et comme ça, jusqu'à la fin du rang. Donc, on finit le rang avec une maille serrée. On fait notre maille en l'air. Et maintenant, nous allons entamer le quatrième rang avec deux mailles serrées. Une et deux. Une augmentation.
deux mailles serrées, une et deux, et une augmentation. Et comme ceci jusqu'à la fin du rang. On finit donc le rang par une maille coulée, une maille en l'air, et là nous entamons donc le rang numéro 5 avec 3 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3 mailles serrées, une augmentation. Et comme ça, jusqu'à la fin du rang. On finit donc le rang avec une maille coulée, une maille en l'air. Donc voilà, à présent nous allons entamer le sixième rang. Nous allons donc faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une augmentation. 1, 2, 3, 4, une augmentation. Et comme ça pour tout le reste du rang. Arrivé à la fin du sixième rang, il vous faudra faire une maille coulée, une maille en l'air. Et nous allons entamer le septième rang, qui sera fait de 5 mailles serrées, une augmentation. 2, 3, 4, 5, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Et comme ça sur la globalité du rang. Nous finissons le rang avec une maille coulée, une maille en l'air. Et à présent, nous allons commencer à travailler en demi-bride. Donc, nous allons faire dans les mailles, dans les brins arrière, des demi-brides, aucune augmentation, aucune diminution, 42 demi-brides. Donc, 3, 4, 5, on se retrouve à la fin du rang, en demi-bride, hein, on ne se trompe pas, à de suite. Nous arrivons donc en fin de rang, on fait une maille coulée et maintenant nous allons faire 42 mailles, c'est-à-dire 42, pardon, excusez-moi, demi-bride. À partir de maintenant et jusqu'en haut, ça ne sera que la demi-bride. Donc si je me trompe, rectifiez par vous-même, s'il vous plaît. Merci. Donc on va faire une demi-bride dans chaque maille qui se présente. Donc 42 demi-brides. D'accord ? Allez, on se retrouve à la fin du rang. Voilà, en fin de rang, bien évidemment, nous terminons par une maille coulée, une maille en l'air. Maintenant, nous allons faire 12 demi-brides, une diminution. Donc, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et ici on fait une diminution. Et vous recommencez la série. 12, une diminution, 12, une diminution. On se retrouve à la fin. Donc, je finis mon rang par ma diminution. Une maille coulée.
une maille en l'air. Et là maintenant nous allons faire, nous avons donc, pardon, 39 mailles et nous allons faire les rangs 11, 12, 13, c'est-à-dire les trois rangs qui viennent, avec une demi-bride dans chaque demi-bride. Pas d'augmentation, pas de diminution, pas d'invention. Vous faites exactement la même chose. Allez, c'est parti, on se retrouve à la fin du troisième rang, mais qui sera en fait le 13e, hein? D'accord? Allez, à tout de suite. Voilà, nous allons entamer maintenant en faisant une maille en l'air, le rang numéro 14, où ça sera 11 mailles serrées, une diminution. Non, pas 11 mailles serrées, 11 demi-brides, pardon. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et là, on fait une diminution. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc, des sections de 11 demi-brides, une diminution. À de suite. Et donc là, nous faisons notre diminution du 14e rang. Notre maille coulée, une maille en l'air, et maintenant le rang 15 et 16, on ne change pas, on reste à 36 mailles, c'est donc une demi-bride dans chaque maille que vous rencontrez. D'accord? Donc vous avez deux rangs à faire, on se retrouve à la fin du deuxième. À de suite. Voilà, arrivé à la fin du 16e rang, donc ici une maille coulée, une maille en l'air, et maintenant nous allons faire le rang 17 avec 10 mailles serrées, 10 brides, pardon, 10 brides, une diminution. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Si ça va trop vite, n'hésitez pas à ralentir la vidéo, hein. Vous avez la possibilité, vous avez un petit bouton que je ne me trompe pas en bas à droite. Alors je disais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et... 10, et là nous faisons notre diminution et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. 10 demi-brides, une diminution, 10 demi-brides, une diminution. Donc à la fin du rang numéro 17, on fait notre maille coulée, une maille en l'air, et maintenant le 18, ça sera 33 demi-brides. Donc c'est parti. On se retrouve, pardon, à la fin du 18. À de suite. Nous faisons donc notre maille coulée. Et là, il va être temps de faire comme sur la poupée Charlotte, mettre un fond. Alors, pour mettre un fond, il va falloir vous munir d'un carton. En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un verre qui était adapté, dont la circonférence était la même. Donc, avec le verre, j'ai posé, mais c'était juste un tout petit peu trop grand, donc j'ai redessiné. Donc, ma bonne mesure, c'est le plus petit, et non pas le plus grand. On va faire des essais, on va voir ce qui rentre et ce qui ne rentre pas. Donc,
soit bien adapté. Voilà. Donc le carton, vous venez le glisser au fond. Voilà. Vous voyez, ça vous fait une bonne assise. Ça risque moins de tomber. Allez, quant à nous, c'est reparti. On en est à présent au rang 19 avec 9 demi-brides, une diminution. Donc une maille en l'air, une demi-bride, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et une diminution. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc on vient de finir le rang numéro 19. On entame le rang numéro 20 avec 30 demi-brides, c'est-à-dire une demi-bride dans chaque main qui se présente. D'accord ? Donc on se retrouve à la fin du rang numéro 20. Nous aurons donc 30 demi-brides. Allez, à de suite. Voilà, nous venons de finir le rang numéro 20 avec 30 mailles. Nous entamons le rang 21 avec une maille en l'air, 8 mailles serrées, une diminution. Nous finirons le rang avec 27 demi-brides. C'est bien évidemment 8 demi-brides et une diminution. Allez, 4, 5, 6, 7, 8. J'arrête pas de me tromper parce que, pour vous dire la vérité, quand j'ai recopié ce que je faisais, j'ai marqué MS au lieu de marquer DB. Alors, comme je lis en même temps pour bien me repérer, je vois MS, je dis maille serrée. Mais en fait, ce n'est que des demi-brides. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et maintenant, on fait notre diminution. Voilà. Et on fait comme ça sur tout le rang. Hein. Donc, 8 demi-brides et une diminution sur la globalité du rang. Allez, je vous dis à tout à l'heure. J'en perds mes mailles de vous dire des bêtises. À de suite. Voici donc la diminution, la dernière diminution, pardon, du 21e rang. On ferme ici avec une maille coulée. On va entamer d'abord notre maille en l'air et là le rang 22 qui est donc 27 demi-brides. Une demi-bride dans chaque maille qui se présente. D'accord ? Allez, à de suite. Nous voici avec le rang numéro 22 fini avec 27 demi-brides. On entame donc le rang numéro 23 avec 7 mailles, 7 demi-brides, une diminution. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 demi-brides et une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 demi-brides et une diminution. Et comme ça jusqu'à la fin du rang. Nous voici donc en fin de rang. On va faire notre dernière diminution. Ici, nous faisons notre maille coulée. Là, notre maille en l'air. Et maintenant, nous arrivons au rang numéro 24 où nous allons faire 24
demi-bride dans chaque maille, une demi-bride dans chaque maille qui se présente, c'est-à-dire qu'en globalité, nous en aurons 24. Et bien, on se retrouve à la fin du rang. À de suite. Donc, on finit ce 24e rang avec 24 demi-brides. Ici, une maille serrée, une maille coulée, une maille en l'air. On va faire le 25e avec 6 mailles serrées, une diminution. 6 demi-brides, une diminution. Alors, 2, 3, 4, 5, 6 et une diminution. 1. On se retrouve à la fin du rang. Hein. Vous continuez les mêmes séquences. Nous finissons donc le rang par une maille coulée, une maille en l'air. Et ici, on entame le rang 26 avec 5 demi-brides, une diminution. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 demi-brides, une diminution. 1, 2, 3, et comme ça jusqu'à la fin du rang. Hein. Voilà. Avant de fermer ce rang, d'accord, ce rang numéro 26, il faut commencer à rembourrer. Peut-être qu'il aurait même fallu le faire avant. Mais toujours emporté dans mon élan, je me rends compte toujours au dernier moment que, eh bien écoutez, que je n'ai pas fait. Alors encore là, ça va. Hein. On est sur 30 mailles normalement, si je me trompe pas. Non. Non, non, je dis des bêtises, excusez-moi. 24 moins 6, 18. On va être sur 18 mailles. Voilà. Donc, on bourre bien. On laisse quand même un petit peu de marge pour pouvoir finir le travail. Hein. Voilà. Allez, ce dernier petit morceau, et on va dire que pour l'instant, ça sera fini. Donc, voilà. Donc ici, il nous restait à faire la maille coulée, la maille en l'air. D'accord? Donc, nous étions au rang 26, nous sommes au rang 26. Tant que la maille coulée n'est pas faite, nous en sommes toujours au rang 26. Donc, si je me mettais en face de vous, ce serait peut-être plus simple. Donc ici, notre maille coulée. Hop, notre maille en l'air. Et maintenant, ça va être une demi-bride, une diminution. Donc, une demi-bride, une diminution. Une demi-bride. Oh oh. Une demi-bride, une diminution. Et on fait comme ça jusqu'à la fin du rang. À de suite. Donc, arrivé à la fin du 27e rang, on fait notre maille coulée. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire 6 diminutions en maille serrée ce coup-ci. Hein, je ne me trompe pas. D'accord? Donc, si vous voyez que ça manque un tout petit peu, moi, je considère que ça manque un tout petit peu. Donc, je vais rajouter un petit peu de rembourrage. Hop.
Voilà, donc ici il faut faire notre maille coulée, bien évidemment, on fait la maille coulée. Et là, on va faire 6 diminutions en maille serrée. OK? Donc, parce que je n'ai pas fait ma maille en l'air. Donc la maille en l'air est faite et maintenant 6 diminutions. Donc une, deux, trois, quatre, cinq et la dernière. Et bien évidemment, c'est pas parce qu'on est à la fin qu'on n'a pas notre petite maille coulée qu'il faut faire. Donc elle est ici et voilà notre maille coulée. Et nous avons fini cette partie de l'ouvrage. Hop. Ici. Alors, ce qui va se passer, c'est que, ben, écoutez, tout comme l'autre. Voilà, vous allez avoir la tête qui va venir, il va falloir venir coudre la tête ici, d'accord? Écoutez, on va le coudre maintenant parce qu'après on s'attaquera au bras, à de suite. Donc voilà, à présent nous allons nous attaquer au bras qui est heureusement d'une simplicité enfantine. Toujours pareil, on débute avec, il en faut d'autres des bras, hein. Ne vous croyez pas sauver à la fin de celui-ci. Allez, c'est parti. Hop, on réduit un tout petit peu. Et là-dedans, nous allons faire nos 6 mailles serrées. Et pas des demi-brides ce coup-ci. Une, deux, trois, quatre, cinq et six. On tire sur le fil. Ici, on vient faire notre maille coulée. Une maille en l'air et là maintenant nous allons faire 2 mailles serrées dans chaque maille, soit à la fin nous aurons 12 mailles. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ici, nous faisons donc une maille coulée, une maille en l'air. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est 12 autres mailles, 12 autres mailles serrées dans chacune des mailles qui se présentent. D'accord? Voilà. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Nous venons faire ici notre maille coulée et maintenant on va bomber un petit peu. Une maille en l'air et nous allons faire à présent des diminutions, c'est-à-dire une, deux mailles serrées, une diminution. Une, deux mailles serrées, une diminution. Une, deux mailles serrées et une diminution. Et voilà. Maintenant, on va faire notre maille coulée. À présent, nous avons
9 mailles serrées, d'accord? Ici, nous allons faire une maille dans chaque maille. Donc, nous allons nous retrouver avec 9 mailles serrées. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oula, 8, la 9e, la maille coulée, allez, et voilà. On tire le fil, ou vous êtes plus maligne que moi et vous arrivez à le rentrer, mais comme je suis pas maligne, je n'y arrive pas. Donc maintenant, on change de fil, ou vous laissez les bras de la couleur, vous faites ce que vous voulez en fait, hein. Vous n'êtes pas obligé de suivre le modèle que je vous présente au niveau des couleurs, vous faites bien évidemment ce qui vous entend. Donc ici, nous allons faire notre main en l'air, on tire bien le fil, et maintenant, ça va être tout simplement 9 mailles serrées sur chaque rang, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une maille coulée. Bien évidemment, et là maintenant nous allons partir sur, nous sommes sur le rang numéro 6, il faut aller jusqu'au rang numéro 17 en faisant simplement une maille serrée dans chaque maille, d'accord? Donc ce qui nous donne 11 rangs à 5 à 9 mailles serrées. Ok, on se retrouve à la fin et éventuellement on fera les deux. Il faut faire les deux. Comme ça on sera à la fin pour coudre. À de suite. Et bien voilà, notre petite poupée est terminée. Les bras sont cousus. Donc vous pouvez le voir, je les ai cousus à la racine du cou. Légèrement en biais, mais vraiment très très léger. Hein. Pas plus que ça. Donc voilà, tout est prêt. Donc ça va nous servir pour plusieurs petits personnages qui arrivent d'ici les fêtes, en l'occurrence Papa Noël et Maman Noël et Mamie Noël, et aussi donc pour la crèche, pour pas mal de choses. Voilà. Et bien je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un tout petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et surtout, abonnez-vous. À très bientôt.